Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Planète Crafter. Objectif, aller visiter la grande grotte. Donc je me suis un peu préparé. C'est-à-dire que là j'ai pris oxygène, eau, nourriture, deux explosifs. Je pense que ça devrait le faire. Le véhicule est vide. On prend et nous on est parti. Alors, je me rappelle plus où c'est exactement. Si, ouais, si, ça y est, ça me revient. On va aller là. On a la grande surface d'eau qui était là avant. Ben, en allant tout droit, je crois. Ouais, si, en allant tout droit, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, je sais pas ce qu'on va découvrir là-dedans. Ce qui est étrange, c'est que on dirait que quand on rentre dedans, qu'on est à l'extérieur, mais en fait non. Enfin, je pense pas. J'avoue que je sais pas du tout. C'est un peu étrange. Ah, ça commence à s'étendre par ici. Hein. Ouais, donc c'est par là. Je laisse le chemin hein, pour ceux qui se demanderaient où c'est. Vous voyez par où d'où je suis parti et où je vais. Je monte par là et là vous avez cette espèce de d'amoncellement de je ne sais quoi. Et là vous en avez encore ici, juste là. Mais c'est pas cela. C'est cela. Et donc il y a un passage, alors je sais plus où. Par là. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on était descendu. En effet. Ouais. Non, on aurait peut-être pu passer par là en fait. Mais oui. Mais oui, tout à fait. Alors. Qu'est-ce qu'on peut... Alors là, non, rien. Dans le coffre ici, il doit y avoir des choses intéressantes. Ça, je prends. Ben, ça, c'est pour... c'est bon. Ça, je prends. On va aller chercher le coffre là-bas. Alors là, les explosifs, on va les prendre. Là, ça, ça. Ça et ça. Ouais. Et on en a un autre par là. Et il va falloir penser à revenir après parce que... Hop, hop. Et là, on a une puce. On a une puce, ça. J'ai déjà plus de place. Je vais mettre mon véhicule là. Attendez, ouais. Hop. On va mettre ça. On va en mettre là. Ouais. Là. On va mettre la nourriture là. Les explosifs. On reprend de l'oxygène. Parfait. Donc nous on était par là. Non, pas par là. Non, nous on était par là. Ah mais c'est grand en fait. Ça, ça. Et là, on est...
est où là? Ah, on est remonté. Ah, attendez, parce que là, je vais me perdre. Ça y est, je suis déjà perdu. Ok. Apparemment, par ici. Il n'y a rien. Par là. C'est pareil. Je suis où là? Ah oui, d'accord. Ah, il y a un autre coffre là. Mais si, je l'ai fouillé. Ok. Mon véhicule est là. Ah, attendez, il y a un coffre là. Ça, ça, le reste, non. Ok. Alors tout ça, je sais pas si c'est à l'extérieur ou... Il me semble étrange quand même. On a quelque chose par ici aussi. On va descendre, hein. Mais là, par là... Ah oui, par là, c'est le point d'eau. Allez. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans le fond de ça? Tiens donc, un coffre. Ah non, c'est pas un coffre. J'ai rien dit. Non, il n'y a rien. Par contre, par là... Il y a un coffre. Ça, 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 et ça. Et ça. Ouais, je suis très sélectif, hein. Ok, bah écoutez, on va descendre. Avec le véhicule. Des explosifs, ça et ça. Ok. Peut-être boire un petit peu. L'oxygène, on va la récupérer là. On y va doucement hein, parce que... Donc on va s'arrêter ici déjà. On n'arrive pas à passer ça. Oula. Attention. Alors, oui, c'est vrai, exact. Là, ça fonctionne plus, ça. Non. Waouh. Ça m'intéresse. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, ça, ça et ça. Ça va être chaud, hein. Purée, ça m'intéresse. Est-ce que je suis déjà plein, là? Je suis déjà plein. Et là-dedans, je pense que je vais encore en trouver un bon paquet. Attendez, il y a quelque chose au milieu. Un quartz pulsar. Ah! C'est où? Ça non. Oh purée, il y a trop de trucs. Ouais. D'accord. Mais tout ça, ça m'intéresse. Bouteille d'eau, ration, ouais. La tâche est plus difficile que moi. Ces drones sont vraiment intelligents et la plupart du temps, ils accomplissent leur tâche avec une grande intelligence. Ce n'est pas toujours facile de cacher les modifications que j'ai apportées à eux et comment je les ai attirées ou piratées.
mais j'en gère déjà certains. Cette technologie Staform Robotics est vraiment impressionnante. Pas étonnant que Sentinel Corp ait peur. Ça va être ça, les drones, non? Vous voyez, des drones comme ça, là, si on pouvait faire ça en création, au lieu de toujours rester sur les mêmes trucs. Ça, c'est des choses nouveaux. C'est une nouvelle chose, pardon, excusez-moi. Ça pourrait être intéressant. Ah, il y a plein de trucs, là, mais... apparemment, c'est tout, hein. Ouais, apparemment, c'est tout. Je crois qu'il va falloir que je fasse un aller-retour de mon côté vers la base pour vider tout, parce que bah, c'est déjà plein. Allez, c'est parti. Je vais faire une petite ellipse. Alors voilà, j'ai fait un vide total. Donc on va remettre ça là. Je vais garder que ça sur moi. Je vais me faire un petit tour par ici, voir s'il n'y a pas quelque chose. Ah, en revenant, j'ai découvert quelque chose. On verra ça sur le retour. Vu où c'est placé, je comprends pas comment j'ai fait pour pas le voir avant. Mais bon. Ah bah, il y avait un coffre, je l'ai même pas vu. Ça, ça, ça et ça. Ok. Oh, il y a quelque chose là-bas. On est vraiment dans une grotte en fait, hein. Et pourquoi la pluie elle passe alors? C'est par là. Oula. Attendez, on va quand même aller voir là-haut parce que je suis passé un peu vite quand même ce coin-là. Ah bah voilà, il y a un coffre. Ouais. Le reste, non. Il y a un coffre là-bas. Alors, ce que j'ai vu... Vous voyez, l'atmosphère était un peu jaune comme ça. Alors, j'espère que c'est pas justement à cause de ça que ça m'a donné l'impression de voir quelque chose qui était différent. Hop, allez, on descend. C'est géant là-dedans. Oula. Aïe, 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 oui. Alors. Bon, attendez. Hop. Ce qui est embêtant, c'est que je peux pas le démonter tout ça. Ça, ça m'intéresse. Le reste, pas vraiment. Graine de l'Irma. Graine d'arbre Aemora. Tiens, ça peut m'intéresser. Une puce. Encore une. Ça, ça peut se démonter, mais j'ai pas encore la bonne technologie. Allez, pourquoi pas, on peut récupérer du fer. Eh bien, ça devrait tomber, ça. Hop. Parfait. Oui, cool. Alors. Quoi, ça? 400, ouais.
Ok. Allons voir par là. Purée, on peut encore aller par ici aussi. On va aller voir par là. On va trouver une sortie. À côté de laquelle on est passé sans faire attention. On arrive dans les zones volcaniques. Peut-être pour ça que j'ai pas trouvé ce secteur. On peut remonter par là, apparemment. Ah, attendez. On va abandonner le véhicule là. Donc nous, on vient de par là. On voit qu'il y a un passage par ici. Je vais y voir. Oula, bah ça a complètement changé là. Ah, ça m'intéresse ça. Purée, on est où là? De l'osmium. Oh! D'accord. On a encore toute une zone là. Oh purée. Ah ouais. Faut bon là, c'est impossible, ça va tout visiter là, en une vidéo. Peut-être garder ce coin là. Cette zone volcanique pour après. Pourquoi on voit le ciel là? Ah! D'accord, on ressort par là. À côté de ma base énergie. Ok. Et mon véhicule, il est perdu. Non, ça va être par là. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, bah finalement. Voyons, on y avait accès dès le début. Ça. On va regarder par là dans le coin. Donc on pourra retourner visiter l'autre zone une prochaine fois. C'est énorme hein, quand même. Hein. Ah! On dit ce que c'était. Ouais, faut peut-être faire gaffe de pas tomber. Du titane. Ah ouais, oui en effet, faut faire gaffe de pas tomber, ouais. Perdu mon véhicule, il est là. Ok, bah c'est un sacré enchevêtrement de grottes. Et on peut encore aller par là. Ah bah par là, c'est peut-être là où on va aller, là, justement. C'est quoi ça, titane? Nous, on va revenir en arrière. C'est bon. On va continuer par ici. On sait qu'on a une sortie par là. Peut-être pas facile à pratiquer avec le véhicule. Qu'est-ce qu'on a dans le coin?
Ah, regardez en haut, là. Je peux pas mettre mon curseur, évidemment. Là. Là où il y a mon curseur, il y a encore un espèce de petit... monticule de pierre. C'est quoi? C'est de l'eau? D'accord. Purée. Là, c'est énorme. Si on va par là... C'est quoi, ça? Qui brille? Une barre de super alliage. Ah! D'accord. Ah, il y a quelque chose par là. Que vous lanciez des fusées alors qu'il n'y a rien, vous êtes débile. Là, on a un coffre. Hop. Là dedans, deux puces. Puce, tac. Alors les puces c'est bien, mais comme on sait que de toute façon on n'a pas de nouvelles choses. Ah mince, attendez. Hop. C'est bien ça le problème. C'est qu'on n'apprend pas de nouvelles choses. Bah ça je pourrais pas les atteindre. Celle-là non plus. Ok. Donc nous on vient de par là. Là on remonte. Enfin, on remonte nulle part parce que c'est bloqué. Oula. Oula là. Il y a un coffre là-bas. Ah et puis après on rejoint la capsule. Ah, mais mince. Hop. Pourquoi elle était différente, celle-là? Ah, d'accord. Fusée commerciale spatiale. Ok. Alors, ça me l'est trois fois. D'accord, je vais pouvoir faire la fusée commerciale spatiale comme ça direct. Bien ça. Ah, il y a encore un monticule de pierre ici. Ah ben non, mais c'est... T'arrives pas à passer ça? Ok, donc là on est revenu au dôme. Donc nous on va passer par là, on va aller voir dans ce coin là, qu'est-ce qu'on peut trouver. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver par là? Ah attendez, il y a un robot, je ne sais quoi. Hop. Et nous, on est coincé. Ah!
La glace. Là, on est revenu au niveau de la fusée. Non. Boum. Donc là, on est bloqué par la glace. Ah, attendez. Oui, par là, on est bloqué par la glace. Et je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah non. Non, non. On n'a pas fait le tour. Oh, qu'est-ce que c'est ce coin-là? Générateur d'Alc T2. D'accord. Où est-ce qu'on est, là? Oh. Non. Là, je suis plein. Purée. Ah, il y a des coffres là-bas. D'accord, donc ça va être la glace où on était tout à l'heure, donc on est bloqué. Oula, il y a des robots. Non. Une puce. Une puce. Bon, on va pouvoir tout apprendre là. Qu'est-ce qu'on est tombé là? Là on est bloqué par la glace. Ouais, ça va être une sortie, donc c'est des trucs qui vont se découvrir au fur et à mesure. Ah, je suis bloqué. Non, je suis débloqué. Non. Oh, c'est qu'une petite zone, ça. Je pensais que j'allais découvrir dans ces grottes une zone soufre, mais en fait, non. Je sais pas où je vais trouver du soufre. Ça... Non, ça me parle pas, ça. Exactement. Hop. Et ça, là. Ok, alors si on fait péter ça, on a... On pourrait trouver quelque chose de spécial là-dedans. Du silicium. Ah putain, je viens de gaspiller un explosif pour du silicium. Ah. Ah, attendez, il y a un coffre derrière. Ah, on l'a peut-être déjà vu, celui-ci. Attendez, je suis où, là? Ah. Ouais. Le souci, là, c'est qu'il faut que je retrouve... d'où je viens. Ah, bah, par là, voilà. Ah, on n'a pas été par ici. Ah, on va essayer de retrouver la sortie. Je pense qu'on a fait le tour. On a un coffre, là.
250, ouais non. Ah, attendez, mais ça continue par là? C'est bien brumeux quand même, hein? On a encore un monticule de pierre là. Oula, c'est bizarre. C'est bizarre par ici. Non, c'est le bout de la carte. Ok. Non, c'est le bout de la carte. Et j'ai vu qu'on avait... D'accord. Oh, je suis embourbé. Oh, bah, qu'est-ce qu'il y a par là? Ah, attendez, parce que... Là, il y a du minerai, on est d'accord. Et par là, il y a du minerai aussi. Donc, on peut aller par là. Oh. Bah, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Ah, ben si, il y a quelque chose. Il y a du sable par là. Mais comment on fait pour remonter après? Parce que moi, je redescends pas si je peux pas remonter. Hein. Mais il y a du sable par là. Bah, écoutez... Je veux dire, il y a le mode triche, hein, sinon... Hein. En appuyant sur F1, hop, hop, on remonte. On essaye. Écoutez, on verra bien. Purée, on est où par là? Ah, bah, tiens, il y a un coffre. Voilà. C'est ça que je voulais... que j'ai vu de l'autre côté. Donc on a un coffre vert. Effigie Starform. Nourriture, on peut prendre un réacteur. La nourriture, ça. Oh, Umbella. C'est là, on l'a pas. C'est ces coffres-là que... j'ai vu. Putain, mais c'est géant. Ça, c'est typiquement une zone secrète. Oh. Mais non, il y a une base ici. Ouais, il faudra qu'on revienne dans un prochain épisode, à mon avis, hein. Ah là là, pourquoi on peut pas faire ça, nous? Ration spatiale... Il nous reste deux places... Ouais, va falloir qu'on revienne à... Mais on peut descendre encore. C'est quoi ça? Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on revienne visiter ce coin. C'est géant. C'est géant. Et puis on peut continuer par là? Ouais, bah, va falloir qu'on revienne dans un prochain épisode. Je sais plus par où on doit passer pour repartir. Putain, excusez-moi. J'ai qu'une dose d'oxygène en plus. Ça c'est le coffre. Il a l'air bien enfoncé quand même celui-ci. Ah si, c'est celui-là. Donc la sortie doit être par là.
Purée, mais on a tout un secteur là encore à... Non, c'est bon, on peut remonter facilement. Ok, il faut s'en rappeler, hein. Va falloir se rappeler de ça. Bon, ça, c'est typiquement une zone secrète. Bon, maintenant, on va ressortir. On va retourner à la base. On va aller choper le coffre. Hop. Identique que j'ai vu. Tac, une plante, ça. Bon, ça va être une vidéo un peu longue, hein. Oula. Eh ben écoutez, on repart. On doit être par là, je crois. C'est typiquement style zone secrète. C'est par là, je crois. Non, c'est pas par là, c'est par là. On va essayer de passer par la zone lave qui va nous faire déboucher vers la zone énergie. Enfin, notre avant-poste énergie. Par ici, je crois. Oula. Allez, ça passe, c'est tout terrain. Allez. Ah ouais, c'est, ça ressemble vraiment à une zone secrète, hein. Ouais, si j'avais pas fouillé, franchement, j'aurais jamais été voir. Pour moi, j'étais au bout de la carte. Et en fait, non, on n'était pas au bout de la carte. On n'était même pas au bout de nos surprises. Allez, braque. Allez, c'est par là. Hop. Donc le petit coffre vert, en fait, bah, j'en ai trouvé un, justement, en revenant. Donc on va passer à côté, obligatoirement. Même étonnant que je ne l'ai pas vu avant. Alors, est-ce qu'on va réussir à passer par là? Ça va être un sacré défi, ça. On va arriver à passer par là. Oui, aïe, oh, aïe, oh. Ensuite par là. Et on sera au niveau de la sortie. Oh là 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 là. Ah oui. Ah non. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Oh, il y a plein d'eau par là. Oh, c'est de l'eau, ça. Ah, oh, purée. Ah, c'est là-bas, je crois. Non, c'est d'où on vient, ça. Non, c'est par là. Ouais. Alors, attendez, le véhicule, il est où? Il est là. Si nous, on vient de par ici... Ok. Ah, je suis plein.
Il me faut de la place, hein. Donc par là. Et on a de l'osmium par ici, donc du coup... Ouais, je suis pas sûr de passer, hein. Ouais, non, je passerai pas. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là, on a la zone énergie. On va téléporter le vaisseau. Oh, purée, l'eau, elle a monté. Il y avait pas d'eau ici au début. Je crois pas. Je crois pas du tout. Allez, c'est bon. Eh ben, c'est une sacrée visite, hein. Pour se rappeler comment y aller, par contre, ça va être une sacrée... un sacré défi. Donc, on a découvert une grande zone, on va dire secrète. Il y avait un bâtiment. On n'a pas tout exploré, donc je pense qu'il y a encore quand même de l'étendue. Ah ouais! Ah oui! Ça s'est bien étendu! Ah ouais! Et j'ai l'impression que le niveau monte. Alors, le coffre en question... Il est là. Là, juste là. Il faut le voir, hein. Hop. Yes, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Je peux prendre celle-là, par exemple. Je peux prendre celle-là. Cool. On retourne à la base. On va prendre les puces. Et puis on va arrêter. C'est un épisode assez long. Ouais, épisode assez long, mais intéressant. Toujours pas d'eau par ici? Non? Impec. Parce que par là, ça monte, hein. Ah, les deux parties-là vont bientôt se rejoindre. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais bon. On va voir comment ça va évoluer. Eh ben, c'était une sacrée découverte, cette grotte. Il y a toute une partie qu'on n'a pas trouvée encore. Enfin, qu'on doit visiter. Le problème, c'est de se rappeler comment y aller. Il y a tellement de virages, de petits passages et tout que... Ouais, pour s'en rappeler. Surtout que je vais pas y retourner dès... Ben, tout de suite, quoi, donc... Ouais, ça va être chaud, hein. Allez, alors... Il va me falloir un coffre à bordel en plus. Hop. Parce que j'ai déjà plus de place pour ranger tout ça. Ah oui, ces arbres-là ont l'air sympas. Réacteur. Ah bon, dans le prochain épisode, on va peut-être pouvoir envoyer des fusées. Il y a ça aussi qu'on va peut-être pouvoir mettre... Hop. On récupère de l'oxygène, on récupère le véhicule. Hop. Voilà. On récupère les puces. Impeccable. Ça. Je viderai ça de mon côté. J'ai toujours pas fait mon lieu de vie. Hein. Donc, ouais.
Ouais, les puces. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. La fusée commerciale, ouais, ça c'est normal. Ah. Là, pourquoi? Ah, d'accord. La fusée éclairante, impeccable. Fusée satellite. Explosif. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de voir en fait. J'ai pas le temps de lire. J'ai même pas le temps de voir ce que j'ai. Torche T3. Pinglage T3. Déconstruction. Et j'ai plus de puce. Ok, bon, on a quand même débloqué pas mal de choses. Eh bien, écoutez, on va arrêter ici. Je pense qu'on en a fait pas mal quand même dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, même me laisser un commentaire. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien, passez une bonne journée. Bye bye.